Bonjour YouTube et bienvenue dans ce 8ème épisode de Shadow of the Tomb Raider. Alors, on était au village au nom de monstre dans Monster Hunter. Prononçable, comment il s'appelle? Akuaktiaku, voilà. Et on a une mission là, d'aller voir les pillards aux abords de la ville. Il y a aussi une crypte ici qu'on va sans doute... On va sans doute commencer par ça, ouais. Le monolithe là. On l'a pas fait le monolithe? Si, on l'a fait, mais on pouvait peut-être pas le lire. Ah non, mais tant qu'on n'a pas été, ouais. Bon, écoute, on verra ça plus tard. On va aller voir le comment ça s'appelle la crypte là qui doit être dans le coin, j'imagine. Voilà, par là-bas. On est plein. C'est cool, on est content. On est plein aussi. Putain, on est vraiment plein, full de tout. Hein. Ah oui, il y a ça. On est où là? Ah, bientôt full, c'est bien. Alors, on va faire gaffe. Hein. Ok, ça revient là. L'argent. On est toujours content de prendre de l'argent, évidemment. Someone has barricaded the path. Ok, oui. Remarquez que le souffle des explosions fait bouger la végétation également. Mets ta lumière s'il te plaît parce que là vraiment on ne voit rien du tout. Ok, bon. Bon voilà, il n'y a rien au sol, pas de piège. On est full de tout, c'est parfait. Une stèle. May Waiter's desire for power be sated by the time we follow him to the afterlife. Super. Looks like the bridge is out. Voilà. Il y a des pics là. Shit! Oh putain, Michel. Oh god, no! Ok. Et pour repartir, pareil, grappin et... Et le piolet, d'accord. Attention, parce que là, ça pue le piège par terre, là. Vas-y doucement, Michel. Fais pas le fou, hein. Ça ne sert à rien de faire le fou. This room has fared better than the rest of the cavern, it seems. De 9 pas ancestrales. Loot. Ok, c'est tout ce qu'il y avait. Bon. Ouais, il est fini. Parfait, donc on fait machine arrière.
On n'est pas serein là. Ok, c'était ça qu'il fallait faire. J'ai une idée, je vais le tenter, mais j'espère que je vais pas le regretter. Ok, c'était la bonne idée, parfait. Bon bah voilà, très bien. C'est quoi qui est fluorescent là? Ah, c'est une lumière, oh là là. Bien, bon bah. Une bonne chose de fait, parfait. Impossible. I can't carry anymore. On va retourner au feu de camp là parce que. Pour se garder déjà et parce qu'on a des nouvelles bottes. Alors on va aller voir ce qu'elles font. Un point pour le moment, d'accord. Qu'est-ce qu'elles font? Ah, je vais les faire. Ouais, colle plus au. Ah bah c'est le harnais de 9 pas et les bottes de 9 pas, elles vont ensemble, écoute. Écoute, on va les garder. Et on va essayer d'aller voir ici là. Il y a un truc là, on l'a peut-être raté dans le... Non, ça avait l'air d'être loin de ça. On va... Il y a un document ici qu'on n'a pas trouvé à côté du marchand à gauche et là aussi. Bon, on va aller par là, on va aller tout droit et on va voir si on peut récupérer le... les bandits de leur mort là. All full up, can't carry anymore. No vienen muchos turistas por aquí? Oh, I'm not a tourist. I mean, I'm a researcher. De todos modos, ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista, más como crédulo. What happened? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río. Hasta que todo se vino abajo. The oil crash. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos traen dinero.
Los investigadores se lo llevan. Ok. On est là, juste devant nous, là. Devrait y avoir un document. Là-dedans, j'imagine. Miss Ortiz, thank you for your recent inquiry. A water quality index, WQI, was calculated for river sites surrounding the village of Kuakyaku from the samples you provided, and results have shown that the river sites should be classified as bad water quality. The results of the study have shown large-scale impacts that include siltation, chemical pollution, and heavy metal pollution. Turbidity and total solids exceeded the environmental limits. Water of high turbidity, hazy, murky water, cannot be used as potable water, and the high total solids also imply that it cannot be used as irrigation water as well, as this will damage infrastructure. It is most likely that any subsistence fishing that took place before is no longer possible at the affected river sites, thereby impacting negatively on people's livelihoods. Similarly, pH was in the high alkaline range as well as COD. These parameters were indicative of some chemical pollution in the river. The pH, that is alkaline, hard water, is corrosive and can damage plumbing equipment and clothes. High levels of fluoride in the water poses the risk of diseases such as dental and skeletal fluorosis. The presence of pathogenic bacteria such as Salmonella also represents an immediate health risk for the local community. Ok. Je veux pas dire très bien, mais on est ravis de l'apprendre, on est ravis. je vais retourner voir le vendeur, là. Parce que j'ai un vieux doute, là, il me semble que l'or, on peut leur revendre. This is the story of local caverns rumored to be haunted. Ghostly noises coming from deep within the bowels of the earth. No one who's entered the caves has ever returned. Mysterious sounds. Something between the booming of thunder and the howling of dogs. And a mysterious light glowing within. Okay. Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar. How do you do? Ça. Mire lo que tengo. Voilà les minerais d'or, je peux lui vendre. J'en ai. Voilà. Disfrútelo. Ouais, elle vaut 4300, j'ai pas de thunes et puis élimination furtive qui rajoute plus de machin. Tout le, puis tout le reste, j'en ai absolument rien à foutre pour le moment. Siempre listo para los negocios. Mais au moins j'ai vendu mon merdier. Bon, la quête principale est par là, y'a pas Jonah, de problème. Jonah, I found Incan ruins, but I think the foundation of the temple is older. Michel. Yeah, Abby remembered where she saw that symbol. It's inside the temple somewhere. Great. Tell her thank you for me. I'm right here. You can thank me by not breaking anything. I'll be right there, Lara. Moi, pour l'instant, je m'en fous. Je vais aller voir les bandits. Donc, les bandits, c'est plutôt... Quoi ? Pourquoi ils ont disparu ? C'est par là, hein ? Voilà, faut aller en dessous, je pense. I don't have enough space for that. Je suis fou aussi. Prends ta mitraillette, s'il te plaît. Non, toujours pas, t'as pas l'en. Ok. Ah, c'est sûrement par là, y'a pas d'embrouille. Ah. This is a dedication to Supe, god of death and ruler of Ukupasha, the Incan underworld.
It entreats him to come forth with his legions of demons and to converge on this site, where the local people will do him honor with written poems extolling his greatness or offerings of food and drink. By paying him the respect he deserves in this way, the local people pray he will only take those he must and not harm any others of their community unnecessarily. Okay, il y a une grotte. A priori, va dans la grotte, Michel. What is that? Oh my God! Ayuda, por favor! Are you okay? Me perseguirán. Are you Pablo? Sí. It's okay. Your father sent me. He's at Abby's. Go meet him there. I'll take care of these guys. Gracias. Muchísimas gracias. Get out of here. Je pense qu'il va y avoir de la bagarre. That doesn't sound good. Got into him. He used to bring us 10 people a week. If you ask me, it's that brother of his. Always unionization this. Wow. Are the fines here even worth it? They aren't. We got company! Get out of cover! Tu vas voir, espèce d'enfoiré. Ok, c'est bon, vous êtes tous morts. Bon, bah on prend pas les dégâts apparemment pendant les exécutions, donc meilleur jeu de l'année, on est bon. Il n'y a plus ce problème du a priori. Hein. Si on prend les dégâts. Non, on prend pas les dégâts. All right. Et voilà. Need to get back to the village. Je suis la guerre. Totalement Rambo la meuf. C'est bien. On va looter. Ok, donc on est invincible pendant les exécutions. C'est ça qu'on veut. C'est pas le cas du Rise, donc... On est content. Y'a rien sur toi, toi? Non, ça c'est les civils qui ont buté, c'est FDP. Lui aussi. Putain, mais y'a combien de mecs qui ont buté là? Putain, mais les fils de pute, quoi. Bon. Ok. Tu veux monter à l'arme? Bah, j'imagine que tu veux monter à l'arme, c'est pour le... Si tu joues la furtivité, mais... Ah, moi je suis plutôt un mec qui va tout droit. Mais ça sera mieux que le fusil à pompe. Hein. Enfin. Je dis ça, mais en fait, dans le Rise, le fusil d'assaut était meilleur. Le fusil à pompe était vraiment très très bien dans le Tomb Raider 2013. Mais dans le Rise, le fusil d'assaut était plus efficace. Ouais, on peut monter là.
Ouais, ça, c'est si tu joues l'infiltration gay à la Mukumi, quoi. Voilà. Ouais, non, ça... Moi, j'en ai rien à foutre. Hop là, je fais des roulades sur les toits, qu'est-ce qu'il y a? Gather your things, I go back to the village. Tome. No es mucho, pero compartimos lo que tenemos. Gracias por todo. Mais de rien. Gracias. Gracias. Bendiciones. Ok. Bon. Alors fais gaffe là-dedans, Michel. C'est beau, hein. Ok. This knife is a cheap plastic replica of those traditionally used to sacrifice llamas in the Inti Raymi or Sun God Festival. It was also occasionally used to perform trepanning surgery. The Inca believed that cutting a hole in the skull could relieve pressure to cure some diseases. Des bois, hein, donc. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre. Ok. C'est pour ressortir, ça, non? Ok. Bon, on a récupéré tout ce qu'il y avait. Ok, là. On a pu déjà repartir. Ok, bon. Il va falloir retourner voir, je sais plus comment il s'appelle, Ramon ou je sais pas quoi il vient. Qu'est-ce que ça dit la quête d'ailleurs? Retournez voir Marco. Ok, bon. J'ai remis le jeu en full screen et je trouve qu'il tourne moins bien. Enfin, il tourne moins bien. Lo viste? A Pablo. Sí, iba corriendo a casa de Abby. Bien, espero que esté bien. Donc Marco, il était à... Lo viste noticias de... au bar. On va en profiter pour sauvegarder, évidemment. Ah oui, c'est vrai qu'on peut courir, putain. J'aime bien la musique du bar, je la trouve stylée. J'ai 2 points de compétence, hein. Alors, il y a un dilemme. Soit on attend d'en avoir un troisième pour ouvrir ça, là. Soit on claque dans l'écaille du serpent, les écailles du serpent, là. Utilisez des plantes de concentration pour améliorer vos réactions et ralentir le temps quand vous visez. Écoute, pourquoi pas. C'est peut-être le moment de faire un check-up total de tout ce qu'il y a. Alors, œil de l'aigle, les plantes de perception. Ça, j'en ai rien à foutre de la perception. Ruse du renard, débloque le prochain niveau d'amélioration d'armes, ouais. Permet de charger l'arc de... on m'en fout. Bon, ça c'est fumé, mais je joue pas l'arc, moi. Bon, ça on sait pas, d'accord. Relever les objets de défi en utilisant l'instinct de survie. Ouais. On en a pas, donc ça sert à rien. Révéler, ouais, pareil. Pareil, pas besoin. L'instinct de... ouais, ça c'est tout l'instinct de survie. Nous, ça nous...
Ça coûte. Ouais, négocier les réductions sur les objets vendus par les marchands, ouais. Vu Dilipal, utiliser le cœur d'un grand pour rien à foutre. Gagner la capacité de récolter des sécrétions toxiques et du venin sur les araignées et les scarabées. Pourquoi pas, hein. Mais plus tard. Augmente les chances de trouver des animaux rares, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Augmenter la quantité de ressources fabriquées, ouais, pourquoi pas, mais pas maintenant. Ajoute un emplacement pour fusée éclairante à tout et puis je m'en fous pour le moment. Fabriquer, j'en ai rien à foutre. Ouais, quoique les munitions étourdissantes. Utile pour retourner se cacher, j'aurais pu te dire utile pour aller les finir au corps à corps. Les fusées éclairantes et les munitions étourdissantes étourdissent les ennemis plus longtemps. Ouais. Fabriquer des flèches à peu, j'en ai rien à foutre. Un piège avec. Bah. Non, ce que j'aime bien, c'est, par contre, c'est le poison, les bombes de poison. Je sais pas si on les a. Faudra voir. Je remarque que dans le vert, tout est débloqué de base. Hein. C'est les. C'est l'arbre rouge qui débloque surtout beaucoup de trucs. Via les tombeaux et le bleu un petit peu. Ouais, les trois, mais surtout le rouge en fait. Ok, lui de machin, tenue ancestrale ont besoin de moins de ressources pour restaurer leur gloire. Ouais. Pff. Non, je vais claquer dans les écailles du serpent. Maintenez le B puis appuyez sur X pour utiliser des plantes de concentration. Concentration améliore vos réactions et ralentit le temps lorsque vous visez. Parfait. J'aime beaucoup cette mécanique. Pablo me dijo lo que hizo. No sé qué decir, solo... Gracias. Of course. Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. Sometimes the courage of one person can outweigh the cowardice of dozens. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud. Don't you want to give that to Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor como su mamá. ¿Y usted cómo es que se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias. L'autre, elle a dit au mec littéralement, file ton fusil à Riverhawk. Un pistolet puissant qui inflige de lourds dégâts, ouais. Elle a littéralement... Putain, un point de compétence, putain, on aurait pu... Faire le... Les... Putain, fait chier. Ah merde. File le flingue au gamin. Bah oui. On va se reposer là. Et je vais faire une pause. Bon, ça va durer une seconde pour toi, mais je... J'ai un petit truc à faire avant de continuer. À tout de suite, YouTube. Bien, nous revoilà. Voyons voir ce qu'il nous resterait à faire. Il y a un truc là. Ouais. Ah, je pense qu'on va aller faire ça. On a quand même bien. Ouais, on va aller faire la quête principale, ou du moins aller voir ce qui se cache derrière ce bâtiment. Très court si tu veux bien. ¿Tiene algo que quiera comerciar? On va sauvegarder au feu de camp qui est là. Jonah, I found Incan ruins, but I think the foundation of the temple is older. Ouais. À chaque fois que je vais y aller, il va me le faire, ça. It's inside the temple somewhere. Great. Tell her thank you for me. I'm right here. You can thank me by not breaking anything. I'll be right there, Lara. Trinity is really on. Ouais, j'en ai rien à foutre de Trinity. Ok, bon. Allons voir ce merdier là.
pourrait faire une gaffe. Ah. Hey, looks a lot bigger on the outside. What'd you do? Try to look. Ishal and Shakshal, the twins come together. What is it? Laura, What? Abby said not to break anything. I'm not breaking it. I'm restoring the original. Someone was trying to hide it. The twins come together before following the path of the living. It's been tampered with. Like that thing in Mexico. This must lead to the next clue. Go. I'll stay here. See what else I can find. Sounds good. Found the temple. Great. Damn. Trinity already there, trying to blast their way in. I'm gonna take a closer look. Ok. Bah écoute. Donc on est là. Et ça, c'est un truc à visiter plus tard. Écoute, on va progresser dans l'histoire. On peut pas retourner en arrière là. Pour voir s'il n'y avait pas des trucs. Pas l'air d'avoir grand chose. Hein. Et elle veut pas marcher plus vite que ça. Pas très sympa. Ok. From life to death, full moon to new, this temple serves as guardian to the silver box. Et là, si on descend. Ok, c'est l'entrée, d'accord. Ok. Ah, là-dedans, tu veux pas marcher plus vite que ça, sérieusement? Oh là là. Pourquoi? Je ne sais pas. Écoute, c'est pas très grave. On n'est pas plus pressé que ça. Ok, bon. On peut faire un saut de l'ange, vas-y. Alors, oh là. On arrive d'au-dessus là, ok. Ah,
Dr. Dominguez is here in Peru. Is that good enough for you? Aye, Commander. Sorry, sir. Là-dedans. Those drones were unexpectedly heavy and sharp. Boat looks okay though. I'm glad you're here. We have a problem. Jenny again? I'm on it. He wants us to search everywhere. Obviously, we've been missing something this whole time. Okay. So, we're going to see what's going to come in better than a bunch of underwater drones. Tiens, ça fait du bien, ça, Michel, hein? I wish we knew what was going on. Ah non, je prends les dégâts pendant le... Ah là là. On prend les dégâts pendant l'élimination comme dans le Rise. Ah putain, fait chier. Pas cool Michel, pas cool. Bon, du coup, va falloir changer la façon de jouer. Évidemment, on va devoir tout se retaper puisqu'on est là. Bon. On est où là? Oui, on est là. Ah bah on se retrouve au même endroit. À tout de suite YouTube. Et voilà, nous revoilà juste avant la séquence. A savoir que la cutscene dans le temple avec Jonah, elle est pas skippable. Donc ça a un petit problème, on n'a pas envie de la refaire dans plusieurs 3 ou 4 fois. Donc. J'espère qu'on va la réussir ce coup-ci. Là. Those drones were unexpectedly heavy and sharp. Boat looks okay, though. I'm glad you're here. We have a problem. Jenny again? I'm on it. So, are we getting scuba equipment or something? Better. A bunch of underwater drones. Y'a des mecs là-bas, là. This feels bad. Very bad. Ok, vas-y. When the Lord gave his covenant to Noah, saying never again will he destroy this world, it can be interpreted as he has decided humanity has learned their lesson. But have we? There is also a different interpretation to be made, and that is that he has given the agency of destruction to mankind itself. We are responsible for every living soul, and they are now tarnished and besought. It has been 4,000 years since the world saw purity, and we aim to end that. We will be the architects of the new world. We will pave the street to heaven for all. We will usher an end to this sinful, reprehensible world. Formidable. On va aller looter les bus qu'on a buté. Y'a rien d'autre par là.
je vois des trucs. Je serais étonné qu'il n'y ait rien du tout quand même. Ah oui, j'ai pas pris la concentration, faudra que j'y pense. All full up. Can't carry anymore. Laura, you okay? Yeah, there's a Trinity base here. Hey, Jonah, what happened here? I said don't break anything. Hey, Abby, I can explain. I'll get back to you later, Laura. Don't do anything crazy. Genre comme foncer dans un camp de... De mercenaires, un contre 10. Ah non, tout va bien se passer, bien sûr. Trinity is really on edge. Still, if they're here, they're ahead of us. At least it means I'm on some sort of track. If Dominguez is right and the sun is dying, I have to get to that box before he does. Pas augmenter ses dégâts ce machin. Ah si, voilà. Ça coûte. Ah bah vas-y, fais-le. Hein. Ok, ensuite il y a ça, ça fait quoi? Ça augmente la précision, vas-y, fais-le. Vas-y. Ah, du coup, ça a débloqué la cadence. Ah non, ça m'emmerde ça. Vas-y. Et vas-y. Ah, tu peux faire ça aussi, ouais. Vas-y. Du coup, je peux plus faire ça, ouais, parce que j'ai plus. Hein. Et le chargeur qui est né. Vas-y. On va l'améliorer parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va choper le fusil à pompe. Donc, y a pas d'amélioration, pas d'amélioration. Tout ça, je m'en fous, ok. Alors, on est déjà à 43 minutes. On va s'arrêter là pour cet épisode-là, YouTube. Bon, là, je pense qu'on va rentrer dans une... Dans une séquence un peu plus bagarre. Bon bah c'est pas mal. On est quand même assez déçu du fait que on n'est pas invincible durant les éliminations. Mais tout le fonctionnement, tout le système de potions, ça peut peut-être pallier à ça. Ça sera à voir. En tout cas les combats, le peu que j'en ai vu, c'est déjà quand même mieux foutu que dans Rise of the Tomb Raider. Bon, on va voir sur le long terme comment ça s'équilibre. C'était l'une des grosses craintes que j'avais avant de commencer le jeu. Bon, j'ai un peu peur que l'infiltration, malgré tout, empiète sur les autres façons de jouer. Bon, écoute, on verra ça, YouTube, et puis on fera le bilan calmement un peu plus tard. Voilà, salut les gens.